Coup dur pour Pauline Ferrand-Prévot. La championne française de cyclisme vient tout juste de faire une annonce qui va grandement décevoir ses nombreux fans. Touchée par la maladie, la Française va manquer un bel événement. À moins d'un an des Jeux Olympiques de Paris 2024, la préparation n'est pas franchement idéale pour Pauline Ferrand-Prévot. La cycliste française, qui rafle absolument tout depuis plusieurs années maintenant, devait participer au championnat du monde de gravel, mais il ne sera à rien. Comme elle l'a annoncé sur son compte Instagram, la championne de 31 ans n'est pas suffisamment remise, elle qui est malade depuis plusieurs jours maintenant. Malheureusement, l'infection Covid avec laquelle je souffre depuis la semaine dernière m'a vraiment fait du mal et je suis déçue d'annoncer que je ne pourrai pas défendre mes bandes d'arc-en-ciel demain lors des championnats du monde de gravel Ouchi, a déclaré Pauline Ferrand-Prévot dans une publication sur Instagram postée ce vendredi 6 octobre. Une bien mauvaise nouvelle pour celle qui vient de perdre un être cher il y a quelques semaines de cela. Le médecin a ordonné de prendre plus de temps de récupération pour s'assurer que je revienne à pleine santé le plus tôt possible. Ajoute-t-elle. Forcément déçue de ne pas avoir pu défendre ses chances ce week-end, la native de Reims, Marne, ne reste pas moins très fair-play envers ses concurrentes. Bonne chance à tous ceux qui font la course ce week-end, ce parcours va produire de belles courses, conclut-elle son message. Pour accompagner cette mauvaise nouvelle, Pauline Ferrand-Prévot publie un selfie avec un masque sur le visage et une tenue d'hôpital qui laisse penser qu'elle a dû effectuer des tests médicaux ces derniers jours. L'occasion de retrouver son compagnon si elle rate un événement important dans sa saison, la championne va tout de même avoir du temps pour retrouver son amoureux, Dylan Van Baarle. Depuis plusieurs mois, Pauline Ferrand-Prévot vit une belle histoire avec le cycliste néerlandais de 31 ans et elle n'a d'ailleurs pas mis longtemps à le retrouver après son sacre mondial en août dernier. Une belle histoire que la Française n'hésite pas à mettre en avant sur ses réseaux sociaux, elle qui était auparavant avec un autre cycliste bien connu, Julien Absalon. Touchée par le Covid, Pauline Ferrand-Prévot va devoir patienter avant de reprendre la compétition. Cheers.